Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties du mois d'août. J'ai repris voilà, le format où je vous montre où je vais chercher les livres. C'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc j'ai pas trop le temps. J'ai réussi à trouver un programme qui est essai pendant 7 jours. Malheureusement, voilà, c'est que des essais, j'arrive pas à trouver un programme vraiment gratuit pour filmer l'ordinateur, donc ça va pas durer, mais bon, là ça m'arrange parce que j'ai vraiment pas du tout, du tout le temps de filmer, de prendre le temps de filmer, de prendre le temps de monter et tout ça. Donc je sais pas si ça vous plaît ou pas ce format là, mais en tout cas c'est ce qui est plus simple pour moi en ce moment. Donc je vous fais un petit coucou, hein, je suis un tout petit parce que de toute façon c'est pas ma tête que vous voulez voir. Donc c'est les sorties. Donc là vous voyez que c'est la première sortie, je l'ai repérée, elle est du 10 août et je n'en ai pas trouvé avant le 10 août. Donc ça fait du bien, hein, mais j'en ai quand même trouvé presque une vingtaine, un peu moins. Ça change, d'habitude j'en ai plus de 20, là j'en ai trouvé un peu moins de 20. Donc on va partir tout de suite au lieu de blablater. Le premier que j'ai repéré, c'est The Prison Adler, le tome 1, La guérisseuse de Zaline Dove, aux éditions Hachette Roman, écrit par Lynette Nonny. Donc je vais essayer de vous mettre le résumé en même temps. On est avec une Kiva qui a 17 ans. J'arrive pas bien à viser. Kiva, qui a 17 ans, a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre et elle va se retrouver en prison avec la reine rebelle. Et sa famille lui dit qu'ils vont venir la sauver, mais il faut qu'elle protège la reine, qu'il faut qu'elle fasse tout pour protéger elle et la reine. Voilà, donc j'en ai. Il y a une pénibilité dans la prison, c'est une guérisseuse, donc il faut qu'elle fasse tout pour les sauver. Ça me paraissait plutôt pas mal comme résumé. Je ne sais pas plus, voilà, je ne sais pas plus. Après il y a de la romance, donc ça, voilà, ça passe ou ça casse avec moi, mais bon, de la magie, une prison. Donc après j'ai repéré donc un deux axus, toujours pareil, j'ai toujours peur pour les dates de sortie. A priori il sortirait le 11 août, mais c'est des a priori. Donc c'est Sound of Arabia, le tome 1, Chasseur de Flammes. Désolée pour l'anglais, mais je ne parle pas du tout anglais. Donc Afsaf Fayazal, écrit par Afsaf Fayazal. Donc là on est avec Zafira qui est une chasseuse qui se déguise en homme pour sauver son peuple de manque de nourriture. Donc elle fait tout pour pouvoir les nourrir. Et on va suivre Nazir qui est un prince de la mort qui lui assassine ceux qui, voilà, ceux qui embêtent son père. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine explosée, tous les actes seraient décriés. Donc voilà, donc faut surtout pas qu'on sache que c'est une femme. À voir ce que ça donne. Moi, ça me, moi, dès qu'il y a une femme qui se déguise en homme et qui, dont le secret doit pas être découvert, ça me fait penser forcément à Mulan. Donc forcément, ça a rien à voir du tout, mais moi, forcément, de suite, ça m'attire. Donc après, on passe au 11 août. Donc on est avec Hybride, le tome 1, La levée du voile aux éditions Scrineo de Gwendoline Vervel. C'est un livre que j'ai pu commencer à lire grâce à Netgalley. Je l'ai demandé en service presse, ça m'a été accepté, donc j'ai commencé à le lire. On est avec Margot qui a 10, qui est plus de 10 ans dans un pensionnat, jusqu'au jour où sa mère Adélaïde va lui dire de rentrer. Et elle comprend pas. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans ce pensionnat, sa mère a tout fait pour plus la revoir, mais non, elle va lui dire de revenir. Donc elle va rentrer chez elle, elle va aller voir sa tante à l'hôpital, sa mère lui dit non, ne fais pas ça. Elle va être interpellée par un druide qui va lui dire que quand il y a des intempéries ou des trucs comme ça autour d'elle, en fait c'est elle qui le provoque. Voilà, je vous en dis pas plus, mais pour l'instant, moi j'en suis à 60 pages en e-book. Ça commence tout juste, je commence à me dire, oh là là, mais ça va jamais démarrer. Mais ça commence tout juste quand on commence à savoir, bon. Quand lui annonce elle que c'était elle qui provoquait tous ces orages ou des trucs comme ça, elle est surprise. Nous, on n'est pas surpris parce qu'en fait, on le comprend assez rapidement et assez vite d'où viennent tous ces désagréments météorologiques. Ensuite, le 12 août, j'ai repéré Trina Jones, le tome 1, Marque magique de Myrty Bastel aux éditions Alter Reel. J'avoue que celui-là, j'ai repéré parce qu'il faisait partie des contreparties du Ulule du Plib 2022. Je vais y arriver. Donc du coup celui-là je l'avais pas repéré avant et puis quand je l'ai vu sur le Ulule et que j'ai vu l'image sur Blue Note qui sortait ce mois-ci, de suite j'ai dit ah celui-là je vois lequel c'est et je l'ai pris d'ailleurs en contrepartie si tout va bien parce qu'il y a eu quelques petites erreurs mais normalement je devrais le recevoir en contrepartie. Donc là on va suivre Trina qui est une médium exorciste qui est là pour chasser les démons, les anges et les fantômes. C'est son job, hein, elle est là pour protéger un petit peu le commun des mortels de ceci. Sauf que ce livre là j'ai vu qu'il était criblé d'humour rien qu'en lisant le résumé. Je vous laisse le lire, hein, vous l'avez devant vous. Je me suis dit oula, il va y avoir une pointe d'humour. Alors j'ai un petit peu d'appréhension dès qu'il y a une pointe d'humour parce que ça passe ou ça casse avec moi. Et ça casse souvent. Mais là je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré.
gérée, la façon dont le résumé est fait. Là, elle va être embauchée dans un hôtel pour protéger un hôtel de luxe qui doit être rénové. Elle doit le protéger parce qu'a priori, il serait hanté par des poltergeists. Moi, tout ce qui est fantôme, c'est quelque chose qui m'attire. Donc forcément, dès que j'ai vu ça, je me suis pris en contrepartie. Ça participe au Ulule du Plib et en même temps, je pense que ça peut me plaire aussi si j'adhère à l'humour. Voilà. Voilà le gros problème toujours avec moi, c'est qu'il faut que j'arrive à adhérer à l'humour. En tout cas, quand je vois la couverture est splendide en tout cas. Alors là, on est avec du De Saxus, donc a priori, il sort le 18 août. Je vous mets le résumé s'il est en français, oui, ce coup-ci, il est en français. Je vous laisse le lire parce que je vais pas encore de nouveau le relire. Hein. Ça fait plusieurs mois déjà que je vous le présente dans les sorties. Ça fait plusieurs mois qu'il est censé sortir et puis que ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Donc normalement, si tout va bien, il sort le 18 août, mais... Voilà, voilà, De Saxus seul le sait. Ensuite, le 18 août sort le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions De Saxus. Il y a intérêt qu'il sorte parce que j'en ai marre d'attendre la suite. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc le tome 1, on était avec... je vais aller voir le tome 1 pour voir les noms des personnages comme ça. Si vous voulez tout lire, le résumé, vous pourrez. On était avec une jeune demoiselle, Louise. Louise qui a fui son clan. Qui était d'une famille de sorcières, elle a fui son clan et on va être avec un autre jeune homme, Raid, qui est lui un chasseur de sorcières et ils vont se retrouver malencontreusement mariés tous les deux. Voilà, je ne vous dis pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Ils vont se retrouver tous les deux mariés et donc ils vont devoir voir, voilà, essayer de coexister. Bon, faut savoir que Raid ne sait pas que la personne avec qui il s'est marié est sorcière, hein, donc, parce que lui, étant donné que c'est un chasseur de sorcières, il est censé la tuer, il ne le sait pas. Donc il est marié avec cette demoiselle et elle doit tout faire pour cacher qui elle est. Donc c'est assez complexe pour elle. J'avais bien aimé le tome 1. Le seul petit bémol, c'est que malheureusement, dans ce tome 1, on ne voyait pas assez l'univers. C'est un très bel univers qui promet plein de choses et on ne le voit pas assez. Donc j'espère que dans ce tome 2, on aura un peu plus de visibilité sur cet univers. On va passer avec une sortie du 18 août, La Petite Menteuse de Pascal Robert Dihart aux éditions L'Iconoclaste. Là, j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur parce que, si j'ai bien compris, elle a une petite fille de 15 ans, je crois, qui va accuser un homme de l'avoir violée, si je ne me trompe pas. Et donc, a priori, elle mentirait. Voilà, elle ment. Il ne l'a pas vraiment violée, ce n'est pas exact. Et moi, j'ai un petit peu peur de ça parce qu'en fait... je sais pas comment ça va être écrit, je sais pas comment ça va être, ça va se passer, mais j'ai la curiosité de voir comment ça va tourner, parce que automatiquement, moi, je vais croire la petite fille, quoi qu'il arrive, je vais être plus du côté de la petite fille qui accuse, alors que là, bah, le truc, c'est que c'est une menteuse, apparemment. Donc, voilà, donc on va croire une menteuse, enfin, ouais, je sais pas, ça a l'air un sujet assez compliqué, mais ça peut être pas mal aussi de voir un petit peu ce côté-là, mais j'ai peur du coup... Que ça puisse, voilà, ça puisse bloquer certaines choses qu'on essaye de débloquer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, j'ai un petit peu peur quand même de ce livre-là. Alors, Balade au crépuscule, le tome 1 de Tomoe, qui sort le 19 août aux éditions... Alors, aux éditions Fuse, j'écris édition Fuse, est-ce que c'est ça? On va aller essayer de voir si Amazon, ils ont l'édition. Édition Fuse, moi j'ai écrit. Édition Nové Graphs. Donc je sais pas pourquoi j'ai trouvé Fuse, parce qu'il y a écrit là en bas, il y a écrit Fuse, mais bon, voilà, Nové Graphs. Là, pareil, on est avec une Akan qui fait partie de la rédaction du journal du lycée, qui a été désignée pour écrire des chroniques sur un lieu hanté. Angoisse, l'idée de visiter seule, elle va faire venir Fujino, nouvelle élève. Ensemble, elle découvre des recoins de la ville que la nouvelle venue, comme l'habituée, des lieux ignorés. Donc voilà, donc là, on est avec, forcément, encore une fois, avec... Une petite ville, un lieu hanté. C'est ce genre de choses que j'aime. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime et qui peut me faire peur aussi. Parce que j'adore ça, mais ça a tendance aussi à me faire peur. Donc voilà, la couverture est très 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 belle et ça me tente beaucoup. Donc là, on est avec Red Rising, c'est la partie 2 du tome 5 Dark Age de Pierce Brown. Donc là, c'est aux éditions Hachette. Au pire, sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller jusqu'au tome 1 pour vous montrer le résumé du tome 1. J'aurais peut-être dû passer autrement, ça aurait été plus rapide. Donc voilà, donc je suis passée sur le tome 1. Donc si vous voulez, préférez lire le résumé... Ah ! Si vous préférez lire le résumé du tome 1, voilà. Hein, j'aurais pu vivre en paix, mes ennemis m'ont jeté dans la guerre.
Voilà, comme ça, si vous voulez lire le résumé du tome 1 et pas du tome 5, si vous n'avez jamais lu cette saga, ça peut être pas mal. N'hésitez pas d'ailleurs à faire pause, hein, parce que je passe peut-être un peu trop vite pour que vous ayez le temps de tout lire, mais il existe la pause. Le 25 août sortira le tome 2 de Cratera, l'envol, aux éditions Inceptio, écrit par Jean-Marc Reboul. J'ai le tome 1 dans ma palle, évidemment, je ne l'ai pas lu, comme d'habitude avec Inceptio, on a l'habitude, j'ai tous les livres, mais je n'en lis quasiment aucun. Donc là, je vous mets le résumé du tome 1. Donc sur la direction d'un riche homme d'affaires américain, une expédition part à la recherche du site mystérieux appelé Puits des Étoiles. Il a tendance à ne jamais revenir de ce Puits des Étoiles. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Je veux pas m'en rappeler plus. Il faudrait que je lise cette saga. Donc là, Robustia de Betty Piccioli aux éditions Scrineo. Ça vient par rapport à Chromatopia, je crois que ça s'appelait comme ça. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, Chromatopia, donc c'est le livre là. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, le livre qui est sur le côté là. On était dans un univers où il y avait des castes de couleurs. Donc ceux d'en bas, c'était les jaunes et ceux d'en haut, les... Enfin, je ne sais plus, les couleurs. Ben, remarquez, la couverture, je vous le dis en fait. Ceux d'en bas, c'était les bleus et ceux d'en haut, c'était les rouges. Et au plus, c'était haut, au plus, c'était bien vu, comme souvent dans ce monde-là. Donc celui-là, dystopie... Donc on va retomber dans l'univers de Chromatopia. Donc au sein de la cité des combattants, leur véritable ennemi se cache parfois en nous, Robustia, une cité où chaque métal correspond à une position sociale. Donc là, dans Chromatopia c'était les couleurs, là apparemment c'est le métal. Donc j'en lis pas plus, j'avais bien aimé Chromatopia, donc je me dis pourquoi pas lire Robustia. Le 25 août, normalement, sort Under the Whispering Door de T.J. Clune aux éditions de Saxus. Je l'ai noté parce que c'est T.J. Clune. J'ai adoré La mer céruléenne et donc je n'aurai pas le résumé en français. Non, il n'y a pas le résumé en français, donc ceux qui savent lire en anglais, vous pouvez. Et donc je me suis noté celui-là juste parce que T.J. Clune, j'ai adoré son livre qui était sorti chez de Saxus il n'y a pas longtemps. Donc là j'ai noté pareil ou presque de Marie-Claude Odd et Maëlys Garcia qui sort le 30 août aux éditions Québec-Amérique. Génie de petite jeunesse parce que je trouve que c'est... Voilà, déjà la couverture est très très belle. On est avec deux cousins, Julien et Olivier. Olivier trouve qu'ils se ressemblent tous les deux, qu'ils ont l'air pareils. Mais pourtant, ils sont tous les deux très différents. Donc c'est un album sur la maladie orpheline, sur la différence. Et voilà, je trouve ça toujours pas mal, des livres sur la différence. Et pareil, au Québec-Amérique, le 30 août, sort Cora et les Essie. De Emily Kilgore et Zoé Persing. Donc là, on avait Cora qui s'inquiète pour tout et pour rien. Et c'est pourquoi Essie l'adore. Et il s'accroche à elle et lui souffle à l'oreille tous les malheurs qui pourraient survenir, gros ou petits, absurdes ou terrifiants, plausibles ou invraisemblables, alors qu'elle se prépare à un récital de piano. Elle est Essie, plus encharnée que jamais, et Cora est plus en plus angoissée à l'idée de commettre une erreur pendant le concert. Arrivera-t-elle à remplacer ses pensées anxieuses par des pensées plus optimistes? Donc voilà, donc c'est quelque chose aussi qui peut être vite, prendre vite la tête et vite néfaste, négatif. Et pour les enfants c'est plutôt pas mal, mais je trouve aussi pour les adultes c'est bien aussi parce que c'est le genre de problème qui a tendance aussi à nous envenimer la vie. Donc le 31 août va sortir Legendborn de Tracy Jehorn aux éditions J'ai lu. J'avais vu le résumé, je ne sais plus où, j'arrive plus à trouver où c'est que j'ai pu trouver ce résumé. Donc je vous laisse le résumé, ceux qui savent lire en anglais ici, ceux qui savent lire, je suis désolée. Ça avait l'air plutôt pas mal quand je l'avais lu, et je ne sais plus où c'est que j'ai lu ce résumé, je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Donc ouais, donc du coup je me rappelle plus du tout. Je vous laisse ceux qui lisent en anglais, ils vont pouvoir le lire tranquillement. Voilà. Il avait l'air pas mal, voilà, c'est tout ce que je me rappelle, il avait l'air pas mal, donc je ne sais plus où c'est que j'ai pu trouver ce résumé. Mystère et boule de gomme, en tout cas la couverture est très très belle. Ah ben voilà, le petit dernier de ce mois-ci c'est Dark Rise, le tome 1 de C.S. Pacat, aux éditions Big Bang. Je l'ai précommandé, hein, je vais pas vous mentir, je l'ai précommandé parce qu'il a l'air magnifique ce livre. Et il y avait, si on le précommandait, on pouvait avoir un peu comme celle qui... Celle-ci, bah, je sais plus, pas bon. Alors, on peut avoir des petits pins ou des petits cartes postales. Enfin, donc voilà, donc, je l'ai précommandé, évidemment. Je suis une petite fille qui tombe dans les pièges. Donc une nouvelle ère de ténèbres se profile. L'ancien monde et sa magie ne sont plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine. Et la bataille épique entre l'ombre et la lumière est sombre dans l'oubli. Seuls les Stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À 16 ans à Londres, Will s'est enfui pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Le jeune descendant des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que d'investir les rôles qui leur sont destinés.
Celui de Will sera de se tenir à côté des derniers héros de la lumière pour empêcher les destins de son monde. Voilà, donc j'en lis pas plus. Hein. Si vous voulez lire tout le résumé, n'hésitez pas. Fantasy, magie, romance, guerre, mystère, héritage. Voilà. Ce livre-là, j'avoue que j'ai craqué par rapport à ce que j'ai vu sur Instagram. Ah, ne cherchez pas, des fois, on craque pour des petites boutiques. Donc voilà pour les sorties que j'ai repérées au mois de août. On va y arriver. Les sorties que j'ai repérées au mois d'août, il y en a bien sûr plein d'autres. Hein. Je vous montre là d'ailleurs, mois d'août 611. Je ne me rappelle pas qu'il y en avait 611, donc il est possible qu'il y en ait qui se sont rajoutés. Évidemment, on voit une tête de chien, hein, parce que comme je vous ai dit, c'était compliqué de filmer en ce moment parce que j'ai les enfants à la maison. Donc voilà toutes les sorties. Hein. Je vous montre vite fait, mais ouais, vous pouvez voir qu'il y en a un paquet. J'en ai supprimé, hein. J'en ai beaucoup supprimé. Au départ, j'en avais une trentaine. Et puis je me suis dit arrête d'en noter plein, essaye de réduire au maximum. Et donc voilà, j'ai réussi à réduire un petit peu, mais il y en a encore pas mal qui restent et qui ont l'air pas mal. Voilà, donc voilà pour cette vidéo sortie livresque du mois d'août. N'hésitez pas à me dire ce que vous, d'ailleurs celui-là, celui du milieu, la soldat du Rhin, je l'avais repéré au départ. Et puis il a fait partie de ceux que j'ai dégagé, mais il a l'air pas mal aussi, hein. Il a l'air pas mal, il y en a plein qui ont l'air pas mal. Donc voilà, c'est pour les sorties, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour ce mois d'août, parce qu'on dit que juillet-août, il n'y a pas beaucoup de sorties, et au final, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de sorties, et de belles sorties quand même qui sortent, donc ça nous fait pas tant que ça. Pareil, ma liste, au départ, je l'avais marquée. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt, bien sûr.